Mais quelque chose, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui on se trouve sur un nouveau jeu, enfin un site qui s'appelle Sudoku, qui est normalement la suite de Sentence numéro 5. Il y a eu les 4 et il manquait le 5 comme vous pouvez le voir là. Et ça propose plein de petits jeux comme vous pouvez le voir là, il y en a quelques-uns quand même. Et on va essayer le Best Friend and Escorea, qui a l'air d'être un peu payant et gratuit à la fois, comme vous pouvez le voir. Après il y a le Tinder Game, etc. On va essayer de voir ce que c'est et qui c'est. Vous êtes le meilleur élève d'une des meilleures universités du pays quand une vague de suicides se crée au sein de l'établissement. Après avoir perdu une personne qui vous est chère, vous vous rendez compte que cette horrible tendance n'est pas anodine. Il y a payé et il y a gratuit. Nous on attend le friendzoning quoi. Nous choisissons le prénom Jesse. Bon, souci d'enregistrement, il n'y a pas la musique pendant l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi le téléphone n'a pas voulu prendre aucun son, ni ma voix, ni le son du jeu. En Corée du Sud, le suicide est la première cause de décès entre 20 et 40 ans. Ok. À la suite. Dis Jesse. Oui. Je peux te poser une question? Bien sûr. Je t'en prie. C'est quoi ton plus grand rêve? Trouver l'amour de ma vie, devenir très riche, revoir quelqu'un que j'ai perdu. Je n'en ai pas. Trouver l'amour de ma vie. Trouver l'amour? Oui, je trouve que c'est super important. Moi, je l'ai trouvé, mais j'attends de savoir si c'est réciproque. De qui s'agit-il? Je suis certain que c'est réciproque. Tu penses? Comment peux-tu en être si certain? Je le sais. C'est tout. Et toi, c'est quoi ton plus grand rêve? Moi, qui n'y ai même pas pensé. L'amour, je crois que c'est une bonne réponse, oui. Cool. Une fille comme toi trouvera l'amour facilement. En tant qu'amie, je t'aiderai à trouver l'amour. Essaie de ne pas chercher l'amour, viendra tôt ou tard. En tant qu'amie, j'ai juste peur de ne pas tomber sur le bon. Mais merci. J'espère qu'on le trouvera tous les deux alors. On n'arrive pas à se dire les choses, je crois. À mon tour de poser une question. Même si « et toi » ne devrait pas compter comme une question. Oui, je triche un peu. Je te poserai une meilleure question après. Oh, ok. Donc, ma question. Tu fais quoi de beau? Question de merde. Mais bon, je suis avec Anna et Belle. On est à notre endroit préféré, assis sur un banc à parler. Au-dessus de la ville. Comment tu sais? Je sais surtout que vous y allez toujours en fin d'année. On fête la fin des examens. Oui. Tu as eu combien d'ailleurs? Attends, c'est ça ma question? Oui. Jesse, tu poses vraiment des questions nulles. Laisse-moi les poser. Maintenant que je sais que ton rêve est de trouver l'amour, je veux savoir quelle est ta plus grande peur. C'est simple. J'ai peur de mourir seul. Oh, c'est mignon. Je te comprends tellement. La solitude tue. Heureusement que j'ai Anna. Elle a toujours été là quand j'en avais besoin. Anna, tu en as de la chance. Bon, tu fais quoi? Je marche dehors et je t'écris une lettre. Une lettre pour qui? Où dehors? T'écris une lettre en marchant dehors. Pour toi? Pas pour moi. Tu auras tout le temps de lire et de comprendre. D'accord, avec plaisir. Je trouve ça bizarre, mais ok. Est-ce que tout va bien? Non, je veux dire... Ce n'est pas ton tour de poser la question. Alors, pose ta question. Je la poserai après. Comme tu veux. Alors, ma question... Selon toi, est-ce qu'on a le droit d'abandonner? Abandonner quoi? Abandonner quelque chose ou quelqu'un. Quand on a essayé de toutes nos forces, mais qu'on n'est pas assez bien pour y arriver. Selon moi, il ne faut jamais rien abandonner. Ok, merci. Pourquoi cette question? Mais gaffe, tu vas gaspiller un tour. Tant pis, j'avais juste besoin de ton avis. Je dois te laisser. On va parler des heures si ça continue. J'ai presque fini ma vie. Attends, quoi? On se voit quand? Tu m'as pas répondu. Très vite. En haut de la ville, c'est ça? Oui, pourquoi? Fin de la classe. Tu parles encore avec Yoon? Oui. Elle n'a pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Elle a l'air d'en avoir marre de quelque chose. Ouais, comme beaucoup de personnes ici. Vous êtes avec Anna et Belle sur un banc. Moi, ça me paraît évident que Jesse veut gérer Yoon. On a tourné la tête vers Belle. Qu'est-ce que tu vas arrêter de dire des conneries? On n'a pas le temps pour l'amour. Qui est-ce qu'on fout là si on n'a pas le temps? Anna et ma meilleure amie, Belle, juste un épisode de classe. J'ai vu le classement des élèves tout à l'heure. Et ça donne quoi? Je suis le troisième meilleur élève. Anna en seconde position. Et Jesse en première position. Yeah, je suis trop forte. Tu ne nous apprends rien. Tu as pu voir le classement de Yoon? Bah, je n'ai pas vu, mais je me doute qu'elle n'est pas en droite de liste. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait beaucoup trop de sacrifices pour en arriver là. Ouais. Si j'étais pas parmi les meilleurs, je serais sûrement entourée de super belles femmes. Ah, je me casse. Oui. Je ne parle pas de ce genre de sacrifice. Tu parles de quoi alors? Elle parle des amis qu'on a perdus, des anniversaires qu'on a ratés, des relations amoureuses qu'on a gâchées. Voilà. Je ne parle même pas de ceux qui ont
tout abandonné et qui n'ont jamais réussi à avoir leur diplôme. Certains d'entre eux ne l'acceptent pas et se donnent la mort. Triste. Espérons qu'on soit encore amis quand on travaillera dans les meilleures entreprises du pays. Ça va être compliqué. Pourquoi ? Bah, je t'aime bien, mais je ne te considère pas comme un ami. En plus, je te considère pas comme un ami. Et Anna, tu la considères comme une amie ? Anna, c'est ma crush. T'es juste con. C'est sûrement pour ça que tu n'es que troisième. Oh, c'est bon. L'année prochaine, je serai premier. Vous entendez des bruits de pas derrière vous. Et quelqu'un qui nous rejoint ? Vous et Beu, vous retournez regarder. C'est qui ? Vous ne pouvez pas venir, c'est la réunion des meilleurs élèves. Je ne voulais pas gêner. Elle tremble. Je n'arrive plus à tenir debout. Je peux m'asseoir à côté de vous ? Oui, on va te faire de la place. Non, il n'y a plus de place. T'es aveugle ou quoi ? Tu n'as pas froid, Yeu ? Non. Pourquoi est-ce que tu trembles tant ? Beu a raison, il n'y a pas de place pour moi. Beu dit une connerie. Il y a toujours la place pour toi. Merci, Jessie. Mais Beu dit la vérité. Ici, il n'y a pas de place que pour ceux qui réussissent. Je suis une ratée. T'as tort. Et pourtant, une personne a réussi à me convaincre d'abandonner. Quoi ? Qui ? Il ne faut pas abandonner. Trop tard. L'école m'a rejeté et j'ai raté deux fois les examens. Voilà, votre réussite attire les gens, alors que moi, je n'attire personne. J'entendis des gouttes frapper le sol. Yo, tu saignes ? Et je tiens droit devant vous encore en uniforme scolaire. Oh non, la fin du chapitre. On va voir un manga trop stylé. Au revoir d'ici, sache que tu ne seras jamais seul. Ah, le couteau, la lèvre. Non, c'est la fin. On s'y prend tellement dedans. On s'y prend tellement dedans qu'il faudrait acheter le jeu pour continuer. C'est si triste. Mais c'était un jeu payant. De base. Bref, ça ne remplacera pas Friendzone, mais c'était pas Friendzone du tout. Mais c'était comme. Mais le problème, c'est qu'il fallait appuyer à chaque fois pour que les textes viennent à cet casse-pied. Mais si ça vous dit, il y a d'autres. Il y a Tinder Games 3 nuits. On fera dans la catégorie gratuit pour être sûr qu'on puisse continuer longtemps. Faire plusieurs séries dessus. Si ça vous plaît, cœur pur, sauvez-moi, on peut faire ces 4-là. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça vous dit, en attendant d'avoir le Friendzone 5 si un jour il sort, normalement il devrait sortir d'ici quelques mois, même si ça fait des années qu'ils sont en retard. Si jamais vous voulez des petites séries comme ça, sur ces petites séries là que vous voyez, vous le dites dans les commentaires et je ferai ça avec plaisir. Et sinon, ben, je trouverai autre chose à faire. Et si vous avez des idées de vidéos, ben, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine les gars.